Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'il n'y a eu depuis pas super hyper peu de temps, je sais pas, je parle plus français. Bref, une vidéo qu'il n'y a pas eu depuis un petit moment, c'est tout simplement une ouverture de cadeaux. Et aujourd'hui, le thème, bon, aucun suspense comme d'habitude puisque le titre de la vidéo et la miniature et tout ce qui va avec va vous spoiler le thème d'aujourd'hui. Du coup, c'est tout simplement d'ouvrir les cadeaux aux cheveux verts. Alors c'est vrai, je m'attends peut-être à ne pas avoir beaucoup de cadeaux à ouvrir parce que c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de personnes porter du vert dans les cheveux. Mais pourquoi pas? Parce que franchement, c'est une couleur, moi j'aime bien. Et je dis pas ça parce que j'ai presque du vert dans mes cheveux à moi, mais bon. Écoutez, c'est parti, on va ouvrir les cadeaux des personnes aux cheveux verts. Donc comme d'habitude, si vous voyez que je rate une personne qui a des cheveux verts, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, bien sûr en me précisant également la minuterie de la vidéo, je ne sais pas si ça se dit, du moment où je l'ai raté. Enfin, je suis sûre qu'on peut même trouver plus de personnes aux cheveux bleus que de personnes aux cheveux verts, mais je pense pas que ce soit impossible parce que j'ai déjà eu des personnes qui avaient des cheveux verts. Alors là c'est du bleu, vous voyez, du bleu il y en a plus quand même que du vert. Bon, en même temps ça m'étonne pas, c'est vrai que le bleu est une couleur peut-être un petit peu plus appréciée que le vert. Statistiquement, il y a plus de gens qui préfèrent le bleu que le vert. En vrai, limite, j'aurais dû faire les cadeaux verts et non pas les cheveux verts. Mais bon, maintenant que j'ai choisi, hein, ça va être les cheveux verts. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, je voulais également vous dire, parce que bon, il y a des personnes qui sont sur mes lives, du coup, qui sont quand même pas mal au courant, et peut-être d'autres personnes qui viennent que sur les vidéos. Donc là, on va dire que c'est du bleu, hein. Mais des personnes qui viennent que sur les vidéos, peut-être pas forcément pour les lives, mais sachez que j'envoie maintenant plein de cadeaux avec plein de comptes différents. Et merci aussi à la team cadeau si vous passez par là, merci beaucoup à vous pour m'aider aussi. Alors en fait dans la description vous avez un lien Utip, en allant sur ce lien Utip, juste après je vous mettrai une petite démo, mais en gros en allant sur ce lien Utip vous pouvez regarder une publicité, c'est le petit cadre violet, donc ça c'est par contre disponible uniquement pour les personnes qui sont en France. Pour les autres, il va falloir utiliser un VPN ou quoi, mais bon. Et tout simplement, vous pouvez regarder la publicité. À la fin de la publicité, vous pouvez laisser un message. Et si vous laissez votre pseudo dans le message, et bien tout simplement, je vous enverrai un cadeau. Voilà, les personnes qui viennent régulièrement m'aider sur Utip. Donc je rappelle, les publicités, vous pouvez en visionner plusieurs fois par jour et plusieurs jours différents. Donc il y a quand même une limite par jour de publicité. Et en gros, bah déjà d'une, moi ça me soutient et ça me permet d'investir dans du matériel. Et pour vous, tout simplement, vous, les personnes qui font ça régulièrement, bah, j'envoie des drips, j'envoie des demandes d'invitation. Bon, on va ouvrir les cheveux là parce que ça tourne un petit peu vers le vert, hein, on va pas se mentir. Hein. Bon, ça fait un petit peu bleu, mais ça fait du bleu-vert, donc voilà, les couleurs bleu-vert, on va ouvrir. Et c'est une couronne, on va la porter, voilà, ça va très bien avec le look. Donc voilà, donc maintenant je vais vous mettre la démo pour ceux qui veulent voir un petit peu comment ça marche Utip et on continue juste après. Pour me soutenir sur Utip, c'est simple, le lien est dans la description. Une fois arrivé sur la page, vous pouvez visionner une publicité. Une fois que vous avez fini de visionner une publicité, vous cliquez sur continuer sur Utip et là une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité. Vous pouvez regarder presque 5 pubs par jour et presque tous les jours, voilà, en fonction de combien il y a de publicités disponibles. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, gros bisous à vous. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Bien évidemment, je regarde tous les messages. Voilà, donc c'est pour les personnes qui veulent des cadeaux, mais également pour les personnes qui veulent me poser une question parce que je réponds aux messages et également aux personnes qui veulent tout simplement me passer un petit message sans forcément recevoir de cadeaux également. Y a pas de souci, moi je lis tous les messages. Bon, ça on va ouvrir parce que ça tourne un peu vers le vert. Ça fait du bleu-vert, voilà. On va ouvrir quand même, hein, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, on a encore ouvert 0 cadeau. Enfin, d'ici, on en a ouvert 2, pardon. On en a ouvert 2, mais enfin, quand je dis 0, c'est genre que dalle, quoi. En gros, voilà, les gens émettaient des cheveux verts, wesh. Oh mon dieu. Mais c'est vrai que on va quand même essayer de trouver des personnes aux cheveux verts. Faudrait qu'on lance une mode des cheveux verts sur MSP, là ça ne va pas, les gens n'ont pas de cheveux verts. Donc il y a des cheveux roses, il y a des cheveux violets, il y a des cheveux bleus, il y a des cheveux rouges, il y a des cheveux... quelle couleur encore? On voit bleu, ouais, je crois que je l'ai dit bleu. Bon après les bases, hein, blond, brun, brune, marron, châtain, vous voyez, ça voilà, il y a déjà, mais c'est vrai qu'en termes de couleurs, rose, violet, bleu, c'est les trois couleurs les plus
Ouais, je compte aussi les rousses, hein, les rousses bien évidemment. Ça c'est couleur un peu genre bordeaux rose. Je sais pas comment appeler cette couleur. Si vous avez une idée de nom de couleur pour cette couleur de cheveux, ça fait genre un. Ah, je crois en plus que j'ai en tête un nom de couleur, mais j'arrive pas à le retrouver quoi. Et ouais, voilà, même violet là comme vous avez vu. Mais du vert, on n'en voit pas assez. Mais bon, fallait bien parce que. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez aussi me marquer en commentaire quel genre d'ouverture de cadeau vous voudriez que je fasse pour la prochaine vidéo. C'est vrai qu'on me redemande souvent les mêmes que j'ai déjà fait, donc je pense que je vais également vous mettre le lien de la playlist dans la description si j'y pense, avec toutes les ouvertures de cadeaux que j'ai déjà fait avant celle-ci, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal que j'ai déjà fait, donc j'ai déjà même fait deux fois certains, comme par exemple j'ai fait deux fois je crois les cheveux rouges, j'ai déjà fait les cheveux blonds, les brunes, j'ai déjà fait les cheveux bleus me semble-t-il. Les cheveux roses, j'ai déjà fait deux fois je crois les cheveux roses en plus. J'ai fait les gens avec des couleurs de yeux, les gens avec l'alphabet. Et il y a quelque chose qui me revient quand même pas mal souvent. Donc là on va voir que ça tourne un petit peu. Enfin c'est bleu hein, on va faire genre ça tourne un petit peu vers le vert. Non comme je disais. Vous me demandez aussi énormément d'ouvrir les cadeaux des personnes qui ont par exemple des chiffres dans leur pseudo. Et ce genre de choses quoi. Ce genre de choses qui me sont énormément demandées. Donc si ça vous intéresse tout le temps, enfin toujours, dites-le moi en commentaire si vous voulez toujours que je fasse les pseudos avec des chiffres dedans, voilà. Ça peut être sympathique. Sinon on a déjà fait les personnes avec les bonnets. J'avais vu des commentaires des personnes qui me demandaient pour les personnes abonnées ou à casquette, on l'a déjà fait. Peut-être on devrait faire quelque. Peut-être avec du maquillage, on n'a jamais rien fait avec le maquillage, genre les personnes qui ont du fard à paupières, ou les gens qui ont du rouge à lèvres, ou le rouge à lèvres rouge, ou ce genre de choses, je n'ai pas fait, donc si vous avez des idées dans ce sens-là. Bon, là ça fait un petit dégradé vert, donc on va quand même aller voir les cadeaux quand même, hein, un peu plus sûr. Mais bien sûr, bah alors j'ai... Ah bah je suis en train de me dire, j'ai cliqué sur porter, ça ne veut pas porter, hein, c'est quoi ce bordel. Donc voilà, donc moi j'ouvre énormément de cadeaux maintenant, enfin genre je pense en ouvrir un petit peu plus qu'avant, tout simplement parce que vu que j'en offre quand même pas mal en ce moment, des fois il y a avec la team cadeau, des fois il y a des jours on envoie plus de 200 cadeaux par jour, ce qui est énorme quand même, 200 cadeaux par jour, autant un jour, je vous avoue des fois ça m'arrive de ne pas le faire pendant une journée, parce que bon des fois faut se reposer aussi un petit peu, et on n'y pense pas tout le temps, et puis des fois on a une journée chargée, mais j'essaie d'y penser le plus possible quand même. Pour envoyer les cadeaux et pas oublier, et du coup moi d'un côté ça m'arrange parce que d'un côté j'ai tellement d'affaires par exemple sur Carousel YouTube que par exemple quand je charge ma page d'affaires bah, ça met 30 ans à charger, quand j'envoie les cadeaux ça met 30 ans à charger la page des cadeaux, du coup c'est un petit peu la relouté et j'aimerais bien un petit peu tout ça et au lieu de recycler toutes mes affaires je préfère les donner, des fois il y a aussi des choses que j'ai recyclées où les gens me disent ouais mais moi j'aurais bien aimé ça. Des choses que par exemple moi j'estime voilà, même des fois des vêtements etc qu'on reçoit souvent pour les premiers niveaux de votre compte etc, bah, ce genre d'habits souvent je les recycle. Il y a des personnes qui me disaient ouais mais moi ça m'aurait quand même intéressé de le recevoir, donc bon j'essaie quand même de recycler les choses comme les affaires qu'on a quand on crée le personnage hein, parce qu'elles sont un petit peu hideuses, on va pas se mentir, elles sont un petit peu hideuses et du coup je les recycle. D'ailleurs dites-moi si vous aussi vous recevez aussi beaucoup de ce genre de vêtements qu'on a à la création du personnage. Mais bon, on va dire qu'il y a un petit dégradé vert ici, hein. On va faire genre et on va ouvrir les cadeaux du renard. Bon les renards, voilà les trucs comme ça je les porte plus parce que j'en reçois tellement en fait. Tout ce qui est les events aussi, les trucs des events, par exemple l'event de Noël je reçois encore aujourd'hui alors qu'on est en février, je reçois encore des trucs de l'event de Noël, là en ce moment je reçois beaucoup l'event de la Saint-Valentin, la robe blanche, et il y a un event que je recevais beaucoup, je crois que c'est celui de Pâques, j'en ai reçu quand même pas mal de l'event de Pâques, et qu'est-ce qu'il y a encore. Il me semble qu'il y a encore un event où je recevais encore pas mal, mais je sais plus c'est quoi. Je ne sais plus. Je ne suis plus sûre de moi-même, donc je ne préfère plus lire de bêtises. Mais en gros, ouais, il y a quand même pas mal. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les gens ne les gardent pas, parce que
j'ai l'impression que c'est pas forcément le même qu'on reçoit chaque année. Par exemple, celui pour le Noël là, il me semble que l'année d'avant, c'était pas les mêmes objets et vêtements d'event qu'on avait reçus. Également pour l'event de la Saint-Valentin là, actuellement qu'il y a, je trouve que la robe blanche elle est super belle et pourtant il y a tout le monde qui me l'envoie. Alors que moi je la trouve super mignonne cette robe là, je comprends pas pourquoi les gens ne la gardent pas en général, je sais pas. Peut-être qu'ils ont plusieurs comptes, enfin dites-moi si vous faites partie de ces personnes-là qui envoient ces affaires-là, mais peut-être que vous avez plusieurs comptes et du coup vous décidez d'envoyer ce que vous avez en double, je ne sais pas, mais faut m'expliquer, je ne comprends pas pourquoi tout le monde envoie ces affaires-là. Moi je trouve qu'elles sont, encore les trucs moches je peux comprendre, il y a des trucs franchement qui font pas l'unanimité et qu'on n'aime pas, enfin que la plupart des gens n'aiment pas. Mais là, pour le coup, la robe blanche, là, de Saint-Valentin, elle est belle. Elle est belle, vous pouvez pas dire le contraire, moi je la trouve super belle. Elle est trop cute. Même si je sais que des fois, j'ai quand même des goûts un peu chelous par rapport à vous. J'ai remarqué, par exemple, les yeux verts, hein. Enfin, pas les yeux verts, pardon, les yeux lisses. Enfin, je sais pas comment dire, les yeux fins. On va appeler ça les yeux fins. Les yeux fins, d'ailleurs, si je vois une personne qui les a, je vais vous le dire, bah regardez la preuve, c'est qu'il y a, en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ces yeux-là. Parce que moi, je trouve que c'est mes yeux favoris, parce que je trouve que ces yeux-là, ils font réaliste à mort, en fait. Ils font très, très réaliste. Et le pire, c'est qu'en plus, ces yeux-là, il me semble qu'ils ne sont pas VIP, donc tout le monde peut les acheter. Et du coup, les gens ne prennent pas. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils trouvent ça moche, alors que moi, je trouve que c'est les plus beaux yeux du jeu. Donc voilà, et apparemment j'ai des goûts chelous hein, quand je fais mes vidéos comment ressembler à une VIP quand on n'est pas VIP, et bah tout le monde qui me dit ouais non mais c'est trop moche ce que t'as fait. Je vous dis allez voir le commentaire de ma première allez voir les commentaires de la première vidéo où je veux ressembler à une VIP sans VIP. Ressembler à une VIP sans VIP, je crois que c'est exactement ça le titre de la vidéo. Vous allez voir les commentaires et vous allez voir que bah, c'est... Voilà, je me fais déglinguer en commentaire, hein. Tout simplement je me fais déglinguer à coup de « Oh c'est trop moche, c'est horrible, c'est dégueulasse quoi ». Et pourtant moi je kiffe, mais bon. Voilà, chacun ses goûts, voilà, ne jugez pas s'il vous plaît. Bref, bah écoutez, j'aimerais bien quand même trouver une personne au chevet avant de finir la vidéo, enfin encore au moins une. Là je pense que c'est la vidéo où j'ouvre vos cadeaux, où j'aurais ouvert le moins de cadeaux. Le moins de cadeaux quoi. Je pense réellement, là c'est vraiment du bleu, donc là je peux même pas faire genre c'est du vert, c'est vraiment du bleu bleu bleu. Là c'est du bleu violet, je peux même pas faire genre que c'est du vert non plus. Mais ouais, il me semble que c'est la vidéo où j'ai ouvert le moins de cadeaux de toutes mes vidéos d'ouverture de cadeaux. Bon. Bon, je voulais mettre un petit challenge, mais au final je me dis, est-ce que ça valait le coup de se mettre un challenge, autant de challenges pour faire une vidéo ouverture de cadeaux, parce que du coup pour vous ça va être peut-être un peu plus ennuyant que... Ah c'est vrai, attendez, je reviens en arrière, mais c'est vrai que pourquoi pas faire une ouverture de cadeaux des personnes qui portent du drip. Parce que encore à la limite j'aurais pu dire jusqu'à ce qu'il y ait drip, mais au moins là on voit aussi les cheveux, les personnes qui sont des cheveux drip, on le verrait aussi. Bon, ça ferait pas non plus beaucoup de cadeaux à ouvrir, même si je pense qu'il y a quand même plus de personnes qui portent des casquettes drip que des cheveux verts. C'est plus comment, mais bon. Oh non, mais je désespère, là, clairement. Clairement, je désespère. Non, mais là, allez, on tourne encore 10 pages. Et si au bout de ces 10 pages, il n'y a pas de cheveux verts, j'abandonne. J'abandonnerai. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas croyable. Ouf. Oh, merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup, Lou. N'hésitez pas à aller remercier Lou17, Ansa. Vous visez... Merci beaucoup, grâce à toi, Kerzel a pu quand même bien finir sa vidéo d'ouverture de cadeau des cheveux verts. Parce que là, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Avec de jolies petites baskets en plus. Allez, je vous montre son profil. N'hésitez pas à aller la remercier, vraiment. Dites-lui merci de la part de Kerzel et tout. Parce que, franchement, allez, on est tellement gentils. On lui ouvre même, hop, on lui envoie une invitation. On lui fait un petit souhait aussi. Tiens, on va lui faire un souhait. Parce que je vois son que fais-tu, elle veut un souhait. Tu sens la fille qui est super contente d'avoir quand même pu bien finir la vidéo. Allez, on est content. On va lui offrir, allez, le t-shirt drip. On lui offre le drip bleu
à 50 000 Star Coins. Donc là, il est marqué 5 000, mais en fait, c'est un bug. Hein. Vous allez voir que je vais vraiment perdre 50 000 Star Coins. Vous voyez comment ça bug? Bah alors, le jeu envoie, moi, ce souhait. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. Voilà, pour la remercier, vraiment. S'il y a une âme charitable qui peut lui faire la casquette, on verra bien s'il y a des personnes sympathiques qui regarderont cette vidéo, qui pourront lui faire la casquette pour lui faire le complet de sa... Bah, tout simplement de sa tenue drip. Ce serait vraiment cool de votre part. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes également qui m'ont soutenu sur YouTube. Et rendez-vous dans la barre des commentaires un petit peu pour voir ce que vous me dites pour les prochaines vidéos et pour toutes les questions que je vous aurais posées dans cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous, ciao ciao.